Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, c'est l'heure de la chronique équipement. Toujours accompagné de Sébastien Serrois, maître ajusteur chez Mulligan Centre du Golf et directeur de la boutique ici à Belœil. Sébastien, la semaine dernière, on a parlé de nouveautés bois de départ. C'est la même chose cette semaine. On s'attaque à Callaway et Cobra. Callaway d'abord. On avait Rogue ST l'année dernière et là, cette année, pour 2023, Paradigm. Effectivement, Jean-Sébastien, cette saison, on a changé complètement le nom chez Callaway et le cosmétique du bâton. Mm-hmm, ouais. Vous avez vraiment un aspect qui est bleuté et brillant. Lorsque vous déposez vraiment votre bâton au sol, vous voyez très bien les trois parties qui créent le bâton et qui a été configuré par l'intelligence artificielle chez Callaway. Oui, l'intelligence artificielle qui fait partie des meubles, si on peut dire, chez Callaway depuis plusieurs années. Et pour nous en parler, on écoute Michael Verska, qui est directeur performance et ajustement chez Callaway. Yeah, so AI technology is still kind of the glue, the figurative glue that holds it all together and makes it optimized. We've got some incredible new technologies. Probably first and foremost, what we call a 360-degree carbon chassis. As you can see, this is all carbon fiber. There's no titanium or aluminum, there's no structure. So taking all that weight from the center and pushing it all the way to the extremes of the face and then to the back end where we can really drive MOI. So two different kinds of carbon fiber. We've got triaxial carbon fiber. We've had this for a couple of years. It's proprietary Callaway material. Very lightweight, very thin, but still very strong. And what we're really excited about just for this year on the Paradigm is we call forged carbon. So this is little different pieces of carbon that are literally forged together, pressed together in a way that you can see the section changes and a strength and a stability that no one, nothing else can do. This has never really been used in golf clubs before. You see it in race cars and exotic vehicles, but not in golf clubs. Again, Callaway first in its class. And because this is so lightweight, because it has so little structure, again, we can push weight where it does benefit. So carbon fiber where it's most useful. But what it allows us to do in the face, we still have our jailbreak AI technology, all new this year. This is 33% lighter, but still combines that crown and the sole in a way that allows all the deflection to go into the face, or most of the deflection to go into the face, to really maximize ball speeds. And getting back to that AI comment, all the new topography, so the different heights throughout the face that only we can do because of our AI technology. Sébastien, en bout de ligne, toutes ces technologies sont mises ensemble pour augmenter le moment d'inertie, peu importe le modèle que vous avez entre les mains. Mais allons-y avec les différences, justement, entre les trois modèles. Le premier modèle, c'est le Paradigm X. Mm-hmm. Vous allez avoir vraiment un effet qui est beaucoup plus profilé, qui va donner nécessairement beaucoup plus confiance. Oui, la tête est plus grosse, nécessairement. Beaucoup plus grosse. Vous allez avoir aussi un poids qui est fixe derrière, mais vous avez aussi un poids qui est sur le talon, qui va vraiment corriger votre crochet extérieur. Et nécessairement, on vient ajouter une trajectoire de balle plus haute, donc plus on haut. Facilite, plus indulgent. Exact. Et maintenant, à l'opposé du spectre, Sébastien, on a le Triple Diamond, le triple diamant. Tout à fait. Avec le triple diamant, vous allez avoir deux poids que vous allez pouvoir changer afin d'aller créer une trajectoire de balle plus basse qui va vous permettre de maximiser vraiment le roulement de la balle. C'est différent de ce qu'on est habitué de voir parce que dans les modèles qui sont plus performants pour l'élite, nécessairement, on n'a pas de poids ajustable, mais dans ce cas-ci, pour le Paradigm Triple Diamond, c'est le cas, là, on peut ajuster. Tout à fait. La tête est beaucoup plus compacte. Vous n'avez plus le logo Callaway sur le bâton afin peut-être de... Dépurer le look. Mm-hmm. Et on termine avec le modèle entre les deux, le Paradigm. Le Paradigm, le seul bâton chez Callaway avec un poids amovible derrière, en mettant le poids sur le talon, ça va vraiment éliminer votre crochet extérieur. Mm-hmm. Et pour les personnes qui ont un crochet à l'intérieur, ils ont seulement à mettre le poids sur le bout du bâton afin qu'ils aillent chercher une trajectoire de balle plus droite. C'est ce qui met un terme aux nouveautés Callaway du côté de bois de départ. Nous, on ne bouge pas, Sébastien. On vous voit un peu plus tard au cours de l'émission pour vous parler des nouveautés chez Cobra.